Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue! J'espère que ça va vous avez passé une belle fin de semaine et que vous êtes de retour pour votre semaine reposée. Um, on va reprendre les lives cette semaine comme on a l'habitude depuis déjà les cinq dernières semaines. Et là, je trouve ça intéressant parce que j'ai reçu une question qui était différente des questions. Euh, Précédente, donc ça va nous faire explorer euh, d'autres avenues, d'autres sujets. Euh, donc la question que j'ai reçue va comme suit On voit de plus en plus d'objets lourds dans euh, le CPE, donc le centre de la petite enfance, la garderie hein, au Québec. Euh, où va mon enfant Je suis moi-même éducatrice dans un groupe de 2-3 ans dans un autre CPE. Et je me demande comment choisir les bons objets lourds pour mon enfant de 4 ans et qu'est-ce que ça fait à son corps. Mmh, exactement. Donc, euh, ce qu'on va voir ensemble cette semaine en 4 temps, c'est justement pourquoi on aurait besoin d'objets lourds. Okay? C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui en temps 1. Pourquoi on aurait besoin de ça? C'est quoi les objets lourds et tout? Euh, demain, on va travailler directement sur la cause hein, pour laquelle on va sur les objets. On va directement utiliser des objets lourds. Donc, on va y aller vraiment de manière précise et on va expliquer toute la, la comme vous êtes habitué avec moi, hein, tout ce qui est en lien avec la théorie neurodéveloppementale et tout ce qui, tou qui touche pardon, à l'aspect la, neurologique derrière l'utilisation de ce type d'outil-là. Donc, est ce qu'on va faire demain. Euh, ensuite, mercredi, hein, je vous dis tout le plan de match parce que c'est quand même une question qui est différente de ce que je reçois d'habitude. Donc, mercredi, on va explorer, nous, en tant que parents, comment on peut se dire, ah oui, mon enfant a besoin potentiellement d'un outil sensoriel vers lequel me tourner, quel professionnel aller aborder, etc. Et en tant que parent, comment les utiliser fait On va explorer encore une fois, comme on a, a l'habitude de le faire, la posture parentale, mais face à l'utilisation d'outils sensoriels. Et euh, je dis, dans ce que normalement on fait, les solutions concrètes, euh, on va voir plutôt ici. Bonjour à vous. On va voir plutôt ici. Les outils en tant que tels, bonjour. Euh, les outils sensoriels en tant que tels, on va en voir plus que juste les objets lourds. Donc, ce qu'on va voir jeudi, je vais vous exposer différents outils sensoriels qui peuvent être utiles au niveau des différents sens. Hein, parce que vous savez qu'on a sept sens. Donc, on a le sens tactile, le sens proprioceptif, vestibulaire, le sens auditif visuel, olfactif et gustatif. Donc on va vous faire ça cette semaine hein, vu que la question est un peu différente de ce que j'ai normalement. Donc voilà, ça va être bien amusant et euh, je vous invite à apporter vos questions hein, parce que je sais que dans le domaine sensoriel, c'est un domaine qui est très, très vaste, surtout. Euh, au niveau de tout ce qui touche au profil sensoriel, notamment en France, c'est divisé entre l'ergothérapeute et le psychomotricien. Je vous rappelle, moi, j'ai une maîtrise en ergothérapie du Canada. Au Canada, aux États-Unis en Australie, le psychomotricien n'existe tout simplement pas. Donc, à la base, l'ergothérapie, quand ça a été fondé hein, dans les années, ça a commencé dans les années 30. Euh, l'ergothérapeute comprenait, a toujours compris le psychomotricien et arrivé en Europe, à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, mais il y a eu comme deux branches, l'ergothérapie et le psychomotricien. Donc, tout ce qui touche le sensoriel, l'ergothérapeute canadien, c'est notre dada, OK? Je sais qu'ici, en Europe, c'est séparé, mais pas en Amérique. Donc, euh, c'est donc nous... Au Canada, qui prescrivons d'une certaine manière les outils sensoriels parce que c'est nous qui faisons l'évaluation sensorielle des enfants. OK? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va évaluer le profil sensoriel des enfants, que ce soit justement au niveau des différences, des, des différents sens, donc les sept sens que je vous ai dit précédemment. Mais on va aller établir aussi est-ce qu'il y a une notion d'hypersensibilité ou d'hyposensibilité dans chacun des sens est-ce que l'enfant le, fait de la recherche de ce sens-là hein et dans un profil un petit peu plus de recherche ou un peu un profil un petit peu plus d'évitement OK donc vous voyez qu'à chaque fois à chacun des sens soit on est en quête du sens ou soit on est en manque ou on peut tout simplement aussi l'éviter OK donc vous voyez le domaine sensoriel c'est très, très, très vaste. Euh, donc, on va simplifier ça cette semaine ensemble. Okay? On va aller décortiquer ça en quatre temps, en étapes. Euh, donc, la situation de la semaine, la maman me demande, il y a de plus en plus d'objets lourds dans les CPE, dans les centres de la petite enfance, hein, qui sont les garderies au Québec. Pourquoi, de un, il y a des objets lourds dans les centres de la petite enfance et on peut retrouver énormément aussi dans les écoles? Bon, premièrement, les objets lourds ont été créés de base par des ergothérapeutes. OK? Euh, pourquoi? Parce que c'est des outils thérapeutiques. C'est des outils que les ergothérapeutes ont eu besoin dans le cadre de notre travail. Pour normaliser le profil sensoriel de l'enfant qui est en face de nous. Ok. Pourquoi qu'on aurait besoin de normaliser un profil sensoriel Dites-vous que votre enfant, moindrement que son profil sensoriel, il est en manque de certains stimuli ou euh, il est inconfortable avec certains stimuli. On est d'accord que ça va venir jouer sur son comportement, ses réactions émotionnelles, sur son attention-concentration, sa disponibilité aux apprentissages, etc. Okay? Donc, pourquoi les ergothérapeutes ont des outils sensoriels pour travailler hein, dans, comme moi, j'avais ma clinique ergothérapie en ma clinique privée au Québec. Euh, moi, j'avais une foule d'outils sensoriels. Ce n'est pas des jouets. Ce sont des outils thérapeutiques. Et je vous le répète parce que justement, maintenant, dans les garderies, dans les écoles, dans les magasins, on voit que c'est vendu à tonnes sans nécessairement d'explication. Euh, au Québec, du moins, on a vu une mode qui s'est créée. Ah ouais, on va créer justement des boutiques ou des, des magasins avec des outils sensoriels euh, disponibles à tous parce qu'on voit que c'est à la mode fine, c'est à la mode peut-être, mais ça reste que c'est des outils thérapeutiques. Et donc moi, euh, voyant cela au Québec, dans le temps que j'habitais au Québec, parce que maintenant j'habite en France, euh, ben je me suis fait une mission un peu d'aller former les, euh, les, ben les professionnels, les vendeurs dans le fond dans les magasins pour leur expliquer vraiment les tenants et aboutissants de chacun des outils sensoriels parce qu'on ne peut pas penser que on donne ça à notre enfant et qu'il n'y a pas d'impact. Okay? Non, c'est un outil thérapeutique qui travaille le système nerveux. Donc, vous voyez là vers quoi je m'en vais, fait c'est ça qu'on va explorer en quatre temps cette semaine. Et là, j'ai une question de Zora. Dans mon service de garde, j'ai un petit coco qui a une couverture de poids prescrite par son médecin pour l'aider à se détendre. Super, génial! Zora, dis-moi, est-ce que tu es au Québec ou tu es en France ou en Europe? Juste pour avoir une idée. Euh, effectivement, les, les objets lourds, ou peut-être que vous avez déjà entendu le, le, le terme plus... Euh, plus approprié, on dit objet lesté, c'est-à-dire hein, objet lourd. Euh, ça peut être soit prescrit par l'ergothérapeute ou par le pédiatre, mais le pédiatre n'a pas nécessairement de formation poussée au niveau euh, intégration sensorielle, fait que des fois, ça va être plus un travail de collaboration entre le médecin et l'ergothérapeute euh, pour aller faire justement cette prescription-là. Euh, ah, ok, super, au Québec, génial. Donc, oui, effectivement, médecins, ergothérapeutes vont, vont collaborer, ou il va avoir un ou l'autre qui va trancher, qui va poser la prescription. Et effectivement, l'enfant va avoir soit une couverture lourde, un toutou lourd, ça peut être aussi, euh, plutôt que ce soit en forme de toutou, ça peut être tout simplement euh, quelque chose qui se dépose directement au niveau des épaules. Les tout tout lourds, habituellement, quand ils sont un petit peu moindrement plus gros, c'est fait directement pour poser sur les cuisses. Et vous voyez, je viens de vous le dire, il y a différents endroits aussi qu'on va poser les tout tout lourds ou les objets lourds, dépendamment de ce qu'on va aller chercher au niveau sensoriel, OK? Et au niveau du système nerveux. Est-ce qu'on va aller augmenter son attention? Est-ce qu'on veut l'apaiser? Tout comme vient de dire Zora, hein, l'objectif était de détendre l'enfant. Donc, ça peut être pour apaiser, pour détendre, pour augmenter la tension, pour amoindrir le besoin de bouger, amoindrir l'agitation. Euh, ça peut être aussi pour augmenter la conscience corporelle d'un enfant qui est complètement flou, sans pour autant que cet enfant-là soit agité. Hein, des fois, c'est juste pour augmenter sa conscience corporelle, favoriser un meilleur ancrage dans son corps et donc... Là, ça va ouvrir sa disponibilité attentionnelle pour les apprentissages. Euh, donc, vous voyez, il y a plusieurs, plusieurs raisons pour lesquelles on va utiliser des objets lourds. Okay? Et dépendamment, comme je vous dis, de l'endroit au niveau du corps qu'on va le mettre, il va avoir une visée aussi thérapeutique. Et donc, c'est là le rôle de l'ergothérapeute qui va vous dire quel objet lesté, quel objet lourd elle vous prescrit plus sous forme de toutou, une forme allongée, une forme étroite, peu importe, plus sous forme d'une couverture, euh, plus sous forme d'un coussin, il y a des coussins lourds, euh, plus sous forme de tablier, il y a des tabliers lourds, hein, qui vont en avant du corps, en arrière du corps, puis qu'on attache avec des velcro, euh, il va avoir des poignets lourds, il va avoir, il y a plein d'objets lourds qui existent et qui ont une visée thérapeutique différente. Euh, Zora me dit, car ils ont essayé la mélatonine la nuit et ça n'a pas fonctionné. Effectivement, bon, la mélatonine, euh, c'est notre, notre hormone en fait euh, du sommeil que l'on sécrète naturellement. Maintenant, dépendamment si l'enfant, par exemple, et des fois peut-être... Euh, exposé à des écrans ou euh, a été plus pour X raison sédentaire dans sa journée, qui a été exposé à une luminosité beaucoup hein, dans les écoles ou les garderies, on voit beaucoup de luminosité au néon. Tout ça, ça va venir jouer, même chose pour l'alimentation aussi, sur la libération de cette hormone-là, de la mélatonine. Maintenant, on en donne de manière artificielle, hein, fait que de la, de la mélatonine pour... Pour endormir les enfants alors qu'on devrait pouvoir en produire naturellement. Mais n'empêche que des fois, ce n'est pas ça le souci. Des fois, ce n'est pas tant l'hormone de, de sommeil qui est en déficit tant que l'enfant ne peut combler ses besoins sensoriels de la journée. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, comme Zora vient de, de le mentionner dans son commentaire, la mélatonine peut ne pas fonctionner. Parce que ce n'est pas seul le souci. Le souci, ici, c'est plutôt le profil sensoriel non comblé de l'enfant. Et c'est là que les outils thérapeutiques sensoriels sont utiles. Hum. Euh, donc, vous voyez, c'est super intéressant parce que, dépendamment de ce qu'on souhaite travailler, euh, par exemple, que ce soit pour la motricité fine, l'écriture, l'attention, le sommeil, la détente dans la journée, la posture, le redressement postural, la conscience corporelle, on a différents outils. Mm. Et donc, effectivement, quand qu on rentre, nous, par exemple, les agrothérapeutes, euh, dans les centres de la petite enfance ou les écoles et qu'on voit des objets lourds partout, euh, ou plein d'enfants qui utilisent plein d'objets lourds qui sont mis à disposition. Hmm. Il y a un bémol, évidemment qu'il y a un bémol, parce que ce n'est pas tous les objets lourds qui sont... Bonjour, allô, allô, ma chère. Ce n'est pas tous les objets lourds qui sont nécessaires pour tous euh, les enfants. Il y a des enfants que leur profil sensoriel n'implique pas le besoin de poser des objets lourds pour... pour fonctionner, pour être fonctionnel, pour être attentif, pour faire des apprentissages. Euh, ensuite, aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les enfants ont chacun leur propre profil sensoriel. Hmm? Donc, vu qu'ils ont chacun leur propre profil sensoriel, il euh, y en a un qui va être, qui va nécessiter un éveil au niveau d'un certain sens. Par exemple, au niveau du sens tactile, mais l'autre, ça va être au niveau du sens vestibulaire, au niveau du mouvement. L'autre, ça va être au niveau du sens proprioceptif. Et donc, vous voyez, déjà, si on change de sens, on change d'outil sensoriel. Hum. Donc, ce n'est pas vrai que tous les enfants devraient avoir un objet lourd sur eux à l'école ou à la garderie pour pouvoir fonctionner. Hum. Les outils sensoriels, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est quand qu on voit que l'enfant a des manques au niveau de son profil neurodéveloppemental et qu'en parallèle, on est en train de travailler pour rattraper les corps et les étapes développementales, on utilise un outil thérapeutique sensoriel d'une forme précise, d'un poids adapté, sur une durée déterminée, à une fréquence déterminée, pour que l'enfant puisse rattraper. Et quand on cerne que l'enfant a rattrapé, on sèvre l'outil, on fait un sevrage de l'outil thérapeutique. Dans un optique que l'enfant n'ait plus besoin de l'outil thérapeutique dans la vie. Hum? Dans le fond, le but, c'est que l'outil soit utilisé vraiment pour le temps de de thérapie. Un peu comme quelqu'un qui se casse le bras, on va lui mettre un plâtre, le temps qui est la guérison, un ce qui se crée. Hum? Quelqu'un qui se casse une jambe, on va lui donner des béquilles le temps qu'il y a une guérison qui se crée. Mais les outils thérapeutiques sensoriels, c'est la même chose. Ok? C'est pour ça qu'il il faut être très prudent de ne pas donner des objets lourds à tout le monde, euh, euh, de ne pas donner tout type d'objets et euh, de bien respecter les règles face à chacun des objets. Ok? Euh, notamment, moi, dans sur ma plateforme, euh, wwwpatricia j'ai fait des formations à cet effet-là. Okay? Il y a la formation pour parents, les sens en folie, et la formation pour intervenants, donc pour les éducateurs, les enseignants, les accompagnateurs, les nounous, euh, qui se nomment aussi les sens en folie. Euh, j'ai créé ces formations-là parce que, justement, je voyais que les objets lourds ou les, les coquilles anti bruit on va en reparler, mais les, les chewy tubes pour la bouche. Il y a tellement d'outils sensoriels. Mais souvent, c'est qu'on ne sait pas comment les utiliser. On sait pas pourquoi on les utilise. On sait pas nécessairement quelle est l'implication sur le sens. Et on sait pas sur quelle durée l'utiliser. Et ça, c'est hyper... Important de venir vous approprier cette matière-là si vous voulez amener l'enfant qui est en face de vous, votre enfant, ou si vous êtes éducateur, vous êtes enseignant hein, euh, à l'école, à la garderie, mais de vous dire bien, les objets lourds que j'ai dans ma classe, je sais pourquoi je les ai, je sais quelle est la visée thérapeutique de, de, de ces outils-là et euh, je suis prudent d'une certaine manière face à son utilisation. Okay? Um, donc, juste pour vous donner un exemple, les objets lourds. Les objets lourds, il faut tout le temps que ce soit 10% du poids de l'enfant maximum. Quand vous achetez un objet lourd, est-ce que c'est écrit Pas nécessairement. Il faut le savoir. Et ça, absolument c'est notre travail en tant qu'ergothérapeute qui accompagnons hein, les enseignants, les éducateurs, les parents à connaître cet aspect-là. Parce qu'il y a des objets lourds qui sont beaucoup trop lourds pour les enfants. Donc, des fois, j'arrivais, moi, dans un CPE. Il y avait la grenouille. Bon, peut-être que vous la connaissez au Québec, la grenouille euh, euh, manimo. Mais la grenouille, euh, elle peut être utilisée chez les enfants de 12 ans. Donc, pour un enfant en CPE, un enfant par exemple de 2 ans et demi, 2 ans, 18 mois, c'est beaucoup trop lourd. Hein? Donc, c'est toujours 10% du poids de l'enfant maximum qu'on va utiliser pour tout. Bijet lourd. Hmm? Donc, vous voyez, il y a certaines notions au niveau des précautions à tenir compte des outils sensoriels. Euh, le poids est fixé selon le besoin et l'âge. mais ben, tout à fait. Tout à fait. Hmm? Le besoin de l'enfant, il se situe où Quelle est la visée thérapeutique Quel est son âge et quel est son poids, son enfant, pour qu'on fasse le calcul au niveau du pourcentage? Hum? Donc, l'utilisation des outils sensoriels nécessite vraiment une triangulation d'informations. Et donc, euh, si justement on a un optique d'aller apaiser l'enfant et que c'est utilisé pour la sieste, comme Zora mentionné ah, ok, peut-être que le coussin hein, lourd ou la couverture lourde va être plus approprié. Mais après, il y a aussi toutes les précautions. Est-ce que l'enfant, lui, est susceptible ou dans son profil euh, neurologique, euh, il y a un foyer épileptique qui est à risque d'épilepsie? Ou est-ce qu'il y a une, des problèmes au niveau de sa respiration ou des problèmes cardiaques qui feraient qu'il est à risque si jamais. Il est sous la couverture lourde pendant qu'il a des difficultés respiratoires ou pendant qu'il fait une crise d'épilepsie. Dans ce cas-là, les outils lourds, on ne peut pas les utiliser. Ils sont complètement à proscrire. Hum? Donc, vous voyez, il faut pouvoir bien analyser le tout pour pouvoir les utiliser adéquatement, de manière efficiente, autant pour le, le bien de l'enfant. Que pour son évolution et savoir le retirer l'outil à temps aussi. Parce que c'est pas juste je donne une béquille, puis bon, j'envoie l'enfant avec cette béquille-là, puis elle devienne que pourra. Non, on sait très bien que l'objectif, c'est de poser l'outil euh, thérapeutique à l'enfant pendant qu'il y a un travail qui est fait et qu'éventuellement on retire. Hum? Euh, je vous donne un exemple. Les coquilles anti-bruit. Les coquilles anti-bruit qu'on voit là, pour les enfants. Les coquilles anti-bruit, ça diminue euh, le son d'à peu près 25 décibels, ce qui est considérable. Euh, imaginons un enfant qui a moindrement une petite hypersensibilité auditive. Que là, on décide de lui donner à tous les jours ses coquilles anti-bruit. Donc, il porte les coquilles anti-bruit non-stop. Euh, en classe, par exemple, ou en CPE. Mais la journée qu'on retire les coquilles, imaginez à quel point ça déstabilise son système nerveux. Fait que déjà, on a un enfant qui a une hypersensibilité auditive, et finalement, on lui met une béquille avec des coquilles anti-bruit, que oui, ça va amoindrir son inconfort, mais ce n'est pas ça qui va régler le problème, la problématique à la, à la, à la source. Hein, c'est un outil thérapeutique pour amoindrir l'inconfort lié à l'hypersensibilité auditive. Mais ce qui est oublié d'être fait, c'est de faire un travail en même temps pour qu'on puisse faire le sevrage de la coquille et que les coquilles soient utilisées juste à des moments où c'est nécessaire, ou que le bruit est très intense. Tu sais, par exemple, dans un CPE, quand il y a, un, je sais pas moi, une activité de groupe où tous les enfants crient, là, tout le monde est excité, il y a de la musique, puis là, c'est la fête. Ah là, on va mettre les coquilles. Mais pas en tout temps. Alors, je me rappelle, j'avais été dans un CPE et euh, il y avait plein d'enfants qui portaient des coquilles parce qu'ils aimaient porter des coquilles c'était une période où il faisait du travail personnel, puis qu'il n'y avait pas un son dans la classe. Ben non. Parce que dans le fond, pour que l'oreille se désensibilise tranquillement face au son, il faut qu'elle soit moindrement exposée hein, et non coupée du son complètement. Il hein, faut tout le temps une saine et une douce exposition pour désensibiliser, pour normaliser. Les coquilles antibures, on les met lorsque nécessaire, quand c'est très, 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 très bruyant, hein, puis qu'on sait que ça pourrait faire basculer le système nerveux de notre enfant en état de panique, en état de désorganisation, parce qu'il y aurait accumulé de la surcharge auditive voire même peut-être en dissociation, c'est ça qu'on veut éviter avec les outils euh, sensoriels. Hum? Les outils thérapeutiques, c'est à quel point on l'utilise justement pour pouvoir potentiellement éviter de tomber en surcharge complète, mais qu'en même temps, il y a un travail qui soit fait. Parce que sinon, l'enfant, c'est quoi Il resterait avec les outils sensoriels sur lui toute sa vie Non. Donc, le but, c'est de s'adapter de s'ajuster tout le temps et de permettre à l'enfant d'évoluer à travers son profil sensoriel. Est-ce que vous avez des questions par rapport au sujet, par rapport à ce que je mentionne? Et comme je vous dis à chaque fois, hein, je suis toujours preneuse de questions. Moi, j'adore les questions, j'adore la participation. Puis il y a beaucoup hein, de personnes qui m'écrivent en message privé, donc écrivez-moi en message privé pour des questions, mais sinon écrivez-le directement dans le live, moi j'adore ça. Donc voilà. Um, donc ça ressemble à ça, mes chers. Les demain ce qu'on va faire ensemble pendant le live, c'est que on va prendre chacun des objets lourds que je, je vais vous présenter. Puis, euh, je vais vous expliquer vraiment la théorie neurodéveloppementale reliée, qu'est-ce que ça vient travailler. Euh, donc, vraiment, le but de l'utilisation de chacun de ces outils-là lourds. Et on va aller plus loin aussi dans les précautions face aux objets lourds. Euh, donc, on va faire une belle exploration sensorielle et du système nerveux demain. Ça va être ça, le plan de match. Mais maintenant qu'on a exposé la situation, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir aller plus loin hein, dans le sujet euh, pour éventuellement, ben, jeudi, vous exposer d'autres objets sensoriels avec la visée euh, thérapeutique derrière. Donc voilà, mes chers. Donc, je vous souhaite une belle journée et belle soirée. Et on se retrouve demain, même heure, même poste, pour la suite des lives. Donc voilà, mes chers. Belle journée à vous. Ciao.